Voici un autre épisode de Urgence du peuple. Ah, tiens, salut Maurice. Salut docteur Malcolm. Alors, ça va comme tu veux? Oh. Qu'est-ce qu'il y a à raconte? Bah, j'ai prêté 5000 balles au docteur Bruschetta et... À Paul, vraiment? Bah, j'aimerais bien les revoir. Mais t'as qu'à lui dire, à Paul. Oh, mais tu me connais, hein. Bah, tu lui demandes et c'est tout. Ouais, je vais lui dire aujourd'hui. Et voilà. Docteur Bruschetta, vous savez les 5000 balles que j'ai... Bonjour Malcolm. Ah, monsieur Dactier. Quoi donc? Les 5000 balles que je vous... Les 5000 balles que je vous... Je voulais vous parler de la façon dont on traite les patients. Les 5000 balles que... Vous voulez dire? Je vous avais prêté 5000 balles. Bon, je m'explique. Non, prêté 5000 balles, je vous avais. Il serait temps de donner un peu plus de considération personnelle à nos... Oh, Malcolm, vous allez pas recommencer. 5000, t'es, je vous avais prêt. Il faut que ça change. Que suggérez-vous? Bah, hein? Comprenez, dans la conjoncture actuelle, 5000 balles, non. Écoutez, je... Quoi? Oui, j'aimerais bien voir dans les balles 5000 conjoncture actuelle, non. On ne peut pas que toujours les soigner puis s'en débarrasser en signant les papiers et merci bonsoir. Bon, hein? J'ai une femme à nourrir. Vous avez raison. J'aimerais récupérer, virgule. Bon. Ouais, c'est le merci bonsoir qui est trop. Oh, monsieur. Ouais, vous avisez par la prison. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le, Malcolm. Est-il possible que je vous ai prêté ça? Quelle tête de mule. Ah, j'ai trouvé la formule. Bah, bravo. Salut les gars. Tiens, docteur Bruschetta. Ça va? Docteur Bruschetta, sachez que loin de mon esprit est l'intention de vouloir. Oh, en fait, Maurice, j'ai vos 5000 balles. Bon, moi, je vous laisse. Ça peut pas marcher. Pourquoi? Ben c'est pas ce que j'avais répété. Et alors? Vous pouvez pas partir et revenir. Bonjour docteur Malcolm. Ah bonjour. Je vais en profiter pour pratiquer ma considération personnelle. Ça va? Bien, et vous monsieur... Cromblustouf? Ça s'améliore. Bon, alors vous serez bientôt sur pied et vous pourrez retourner à... Montpellier. C'est ça, oui. Et comment va votre épouse? J'ai pas d'épouse. Oups. Je suis un prêtre. Oui, gay, bien sûr. Misogyne, asexué. J'oubliais. Extraterrestre. Écoutez, j'auriez dû lire votre papier. Vous jouez aux cartes? Hein? Vous voulez faire une petite partie? Non, je ne joue pas aux cartes, je ne veux pas faire et je viens de vous dire que je n'ai aucune partie, même pas petite. Bon, ben quand vous sortirez pour fêter ça, on pourra boire un verre. Non, je ne bois pas et je déteste le verre. Bon, écoutez, la considération personnelle, vous pouvez vous la mettre dans le cul. Ben, je l'ai fait ce matin. Au revoir. Vous avez de ces termes pour désigner un thermomètre, vous? Ah, docteur Malcolm. Ah, monsieur. Monsieur papier, oui, c'est bien ça. Alors vous réussissez à perdre un peu de... Oh, bof. C'est important, vous savez. Oh, je sais. Les restaurants rapides, là, c'est pas ça qui va vous faire maigrir. Au contraire, plus le restaurant est rapide, plus il faut courir après. Ouais, c'est ça. L'autre jour, j'ai mis 15 minutes à l'attraper un McDo. Salut, Malcolm. Ça va, Robert? Ouais, j'ai les foies. Qu'est-ce qui te fait peur? Non, je veux dire, j'ai les foies, je les mets où? Ah, le frigo est par là, je m'excuse, j'oublie toujours que t'es notre livreur d'organes. Ouais, c'est ça, bonne journée. T'as encore sauvé des vies, mon vieux. M'en fous. Oh, t'as pas de cœur. Non, mais je vais les avoir la semaine prochaine.